Eh ben revoilà, bonjour, 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 c'est la quinzelle. Et on se retrouve sur la suite du petit let's play de notre petite aventure avec Ariana. Donc, re tout le monde, bonjour à vous, bonjour aux personnes qui arrivent. Et hop, pour que je puisse vous voir quand même, le chat, ce serait mieux, non? Allez, on se fait un petit kiff? Est-ce qu'on se fait un petit kiff? Attendez, faut que je me mette bien pour que ça me détecte. Voilà. Oh non, mais c'est quoi ce truc pourri? Bon, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas reçu un don de 100 euros, vous excitez pas. C'est moi qui ai lancé un test juste pour faire afficher un masque. Rah, regardez, j'ai un gugus sur la tête. Allez, on se refait un petit dernier pour le kiff. Un dernier petit masque. Voilà. Je suis devenue un pain. Qui veut du pain? Qui veut du pain? Mince, j'ai dit Ready à record. Mais il y aura la rediff sinistrale, hein, ça sera dans la rediff. On met du pain. Qui veut du pain? Regardez, je vous offre du pain. Je vous offre du pain. Voilà. Bon, non, j'ai plus de pain. Voilà, vous avez mangé tout le pain sur ma tête. Voilà. Et ben re à vous, hein. Et puis, bah écoutez, on continue l'aventure avec Ariane. Il me semble qu'on avait déjà postulé pour un nouveau taf. Oui, oula, on a du taf là, hein. On commence 9h dimanche. Ah oui, on avait augmenté l'aptitude pour ne plus avoir être obligé à passer l'audition. Donc là, on passe directement au travail pour le contrat d'apocalypse zombie. Par contre, il faut qu'on fasse compétences fitness, compétences guitare et s'entraîner à jouer des scènes d'action. Alors, pour s'entraîner à jouer des scènes d'action, est-ce qu'il y a un truc pour les pourboires directement? Jouer une scène de comédie musicale. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Jouer une scène d'action, jouer une scène de science-fiction avec un autre Sims. Ok, bah écoutez, on est vendredi matin. On va aller à la salle de sport, je pense. Et ensuite, on ira. Ah, rappelez-vous les petits gnomes là. Oh mon Dieu, c'est. Oh, ils sont horribles, ces gnomes. Ils sont flippants. Ils me font peur. Souviens-toi, la Japan, hey, il te reste pas du point, accent, ah, du ping, du ping. Merci pour le don. Il faut du ping. Coucou Zenood. Bon, ils veulent pas m'acheter trop pour les badges, mais c'est pas grave. Et merci Eva, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur 15 Sims. Et écoutez, c'est parti. Alors, on va déjà, ouais, on va récupérer ce qui fait tomber par terre. Et vu qu'on est plutôt pas mal, on va aller à la salle de sport et on va finir au bar. Et merci Inkala, bienvenue à toi, merci beaucoup. Mais à force d'aller au bar, les gens ils vont se dire qu'Ariana en fait c'est une alcoolo quoi. Même si on boit pas quoi, on va tous les jours au bar en fait. Ouais, qui rajoute de nouvelles choses, genre voilà, à part les bars, je sais pas, mettre des trucs du style patinoire et tout pour que les gens y viennent et tout. Enfin, on peut les faire soi-même, mais vraiment faire un truc pas résidentiel et qui soit vraiment catalogué comme patinoire et que les gens y viennent et qu'il y ait du people, etc. Coucou Maria! Je suis sur ton live, ma soeur, elle est sur le live de Bios. Bah, c'est bien comme ça, vous pouvez vous lancer les bails entre vous. Je crois que tu peux les quoi? Les bander! Bah, tu peux les vendre par contre, mais cela. En fait, j'ai déjà vendu le méchant gnome. Il y avait un méchant gnome qui m'électrocutait et les deux gnomes là que j'ai réussi à devenir amis avec. Donc, ça va. Bon, Ariana, tu vas aller faire une petite séance de sport, quoi. Petite séance de sport s'impose. Et ensuite, on ira au bar pour faire des scènes d'action et puis jouer un petit peu de guitare. Ok, on va aller ça de sport. On sait jamais si on peut rencontrer Nicki Minaj. Hein. Moi, j'espère toujours tomber sur Nicki Minaj. Même si on peut pas lui parler, bon, j'ai quand même envie d'essayer. Non, mais c'est pas décalé. Non, c'est bon, il y a forcément un tout petit décalage. Après, ça dépend de votre connexion d'internet et de votre ordinateur. Mais sur les lives, il y aura toujours un décalage. C'est pas non plus 0 seconde de décalage. C'est impossible, 0 seconde quasiment. Ah, je parlais du gnome bleu. Mais pourquoi le gnome bleu? On peut juste le contempler ou le renommer. Si le live il est trop décalé, vous pouvez rafraîchir la page. Et quand vous rafraîchissez la page, bon, il y a des chances aussi que ça devienne pire, hein, mais souvent c'est mieux quand même. Alors, oh, c'est elle ou moi qu'elle prend photo? Ah bah c'est moi, puisqu'elle est fan. Hello. Ah, attendez, j'ai envie de faire des trucs là, genre poser pour les paparazzis. Allez, pose. Oh mon Dieu. On voit ses fesses. Elle montre son anus au peuple.
Bah oui, elle me dérange, je peux pas poser parce qu'elle est tombée. Bon, pas grave, on va arrêter les conneries. Et puis, on va aller faire du sport. Et Vanessa, elle est tout le temps à la salle de sport, en vrai. Moins intense, mais qui fait moins suer. Ok, on va faire la course tranquille pour augmenter son fitness. Coucou Clémence, coucou Éloyé, coucou Pierrot, Relouane. Lol, hahaha. J'ai eu les 4900 et il me manque 85 citrons pour les 5K. J'ai beaucoup trop hâte. Bah, vu qu'on va faire encore un live Pokémon ce soir et vu que mes lives Pokémon durent quand même assez longtemps, c'est peut-être possible, hein. Et venant des grottes, c'est pas notre faute. Dans ce cas, il n'y a pas de call. Moi, ça va, c'est pas trop en décalé, hein. Franchement, il y a peut-être 5-10 secondes de décalage. Et puis, c'est tout. Moi aussi, j'ai un très bon internet et j'ai aussi un très bon PC. Donc, ça explique cela, quoi. Pas grâce, si on voit son... Voilà, ça pourrait faire un buzz. Si on voit son anus! Mais je rigole, hein. Coucou, petit chat! Coucou, Héloïse! 15, t'es déjà une star, tu vas vite. Bah, elle a déjà 3 étoiles, Ariana. Regardez, elle a encore 2. Mais c'est qui? Il y a une autre star? C'est qui? Il y a Brad Pitt ou ça se passe comment? Regardez, il y a plein de gugus qui sont apparus ici. Ah, mais non, c'est elle, c'est ma fan, elle. Je fais toujours attention, c'est jamais qu'il y a une petite Nicki Minaj qui spawn dans le coin. Pour venir entretenir son boule, hein, on sait pas. Hein. Ah bah tiens, coucou Vanessa, en même temps on parle avec Vanessa, c'est cool. On va surveiller un petit peu notre avancée, on est à 25% pour le moment, bah, elle a laissé un petit peu faire son sport. J'adore la démarche de Ariana, pourtant je crois que je l'ai pas changée, mais elle a déjà la démarche de star ou pas? Coucou petite salade. Est-ce que le prochain live Pokémon? Bah ce soir, après ma pause miam. Coucou Lali, je mets 9K de citron. Coucou Marois, moi j'ai une très bonne co donc j'ai pas de seconde de décalage, ouais voilà. Oh, carrément elle me prend en photo en train de faire du sport. Attends, faut que je le screen ça. Faut que je screen, faut que je fasse un joli screen. Attends, j'aimerais bien... J'arriverais pas à prendre en pause pendant qu'il y a le... Oh, j'ai réussi. J'allais dire, j'arriverais pas à prendre en photo pendant qu'il y a le flash. Mais j'ai réussi les gars, là ça mérite une photo. Allez, on cherche le bon angle de vue parce que moi aussi, je suis mine de rien, je suis un paparazzi. Attends, on va mettre comme ça, ça fait mieux. Tiens, on voit bien le flash et tout. Hey, c'est que carrément, elle se fait prendre en photo pendant sa séance de sport, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur moment non plus, hein, parce qu'en techniquement, on est en train de suer et tout, même si Ariana, elle est parfaite, même quand elle fait du vélo dans son clip. On va laisser prendre en photo. Mais on est quand même en train de suer un petit peu, hein. Elle est vénère. Elle est vénère. Mais pourquoi t'es vénère? Faut pas être vénère dans la vie. Elle dira combien de temps dans les lives, Ariana dure environ 45 minutes. Parce que vu qu'il y a une rediffusion derrière, je veux pas que ça dure trop longtemps pour les personnes qui aiment bien regarder, ne pas perdre trop le live, le fil du live. Enfin, le fil du let's play plutôt. Pretty pass MP is possible. Elle est famous. Bah, elle a 3 étoiles. Hein. Bon, allez. Coucou. Il y a même des petites qui sont fans. Oh, c'est trop chou. Même les enfants, ils peuvent être fans. On est à 75%. Alors, on va partager l'esprit du jour férié avec eux. Voilà, si t'es petite. On peut pas leur... Par contre, on peut pas faire d'autographe aux enfants. Mais aussi des fans. Faire un selfie avec un fan. Allez, on fait un petit selfie des familles. Ou pas? Ou pas? Bon, on va aller... est-ce que... Divertissement. Bah, on va faire de la guitare, ça va augmenter le divertissement. Mais on n'a pas vu Nikki. On n'a pas vu Nikki. Nikki, elle n'est pas venue à la salle de sport aujourd'hui. Elle n'a pas entretenu sur boule. Mais c'est pas grave. On va peut-être la revoir au bar. C'est la dernière fois on a été au bar. Bon, j'irai plus au deuxième bar. Hein. Je me suis fait refouler au dernier live. Hein, tellement chou. Ouais, franchement, c'est chou les enfants fans qui viennent te voir et tout. Mais c'est d'un côté, lors de voir, c'est cool parce que les gens, ils viennent te voir et du coup... T'as pas forcément l'habitude que les gens, c'est en général dans les Sims quand tu joues, c'est plus toi qui vas voir les gens. Et là, du coup, quand t'es connu, ben du coup, il y a des gens qui viennent te voir et du coup, c'est chou, des enfants qui viennent te voir et tout. Faire un jam. Allez, go faire un jam. Et moi, je surveille l'entrée, on sait jamais. Et attends, c'est pas elle qui nous a refoulé? Elle s'appelait comment? Vous vous rappelez du prénom de la fille qui nous a refoulé? Attends, si je le vois, je saurais si c'est elle ou pas. Non, c'est pas elle. C'est pas Liberty. On avait dit que si on la revoyait, attention, celle qui nous avait refoule. Je sais plus son nom. J'avais dit qu'en plus on retiendrait son prénom, mais je l'ai pas retenu.
Ça se tourne, Nikki. Elle entretient tellement pas son boule que lorsqu'on la croisera, elle aura besoin d'un régime MDR. Bah ouais, mais là, c'est ouf. Bon, après, bon, on va pas se mentir, hein. Son boule, elle entretient avec la chirurgie esthétique, hein. Elle a pas fait du sport pour avoir un boule comme ça. On va écouter. Ça augmente le divertissement, ça augmente aussi la compétence et ça augmente également notre argent. Hein, puisque les gens nous donnent de l'argent, 10 simflous par 10 simflous, ça c'est cool. On est encore loin d'augmenter, mais ouais, c'est cool quand même. C'est cool. Allez, donnez-moi l'argent. J'ai fait de la guitare pour vous. Bon, je pense que je vais en refaire. Tout ça. Bah, si ça... Oh non, j'ai pas fini fitness. Oh merde. J'avais pas vu. Alors, il faut que je fasse une scène d'action. Une scène d'action avec quelqu'un. C'est pas dans action. Il faut que je joue une scène d'action. C'est pas là-dedans. Parce que moi j'ai toujours... Ah oui, jouer une scène. Jouer une scène d'amour. Mais pourquoi j'ai qu'une scène d'amour, moi? Est-ce qu'il faut genre avoir comment on appelle ça déjà? Là. Faut peut-être qu'elle soit pas heureuse, mais... voilà, une émotion peut-être particulière pour pouvoir faire une scène d'action. Jouer une scène d'action ou jouer une scène de science-fiction avec un autre Sims. Et merci Chloé, bienvenue, coucou Marie. À quelle heure le live Pokémon? Bah après manger, donc il n'y a pas vraiment d'heure. Donc dans la soirée, je pense que ce sera en fin de soirée. Ouais voilà, un état d'esprit, une émotion particulière. Je sais pas. Parce que là ça me propose toujours la scène d'amour. Je vais peut-être essayer avec quelqu'un peut-être avec qui j'ai peut-être un peu plus d'affinité. S'entraîner à jouer, mais non, parce que du coup, ça entraîne. Ça fait pas le truc d'action, en fait. Non, je peux pas. Ah bon, après, c'est vrai qu'avec une ado, jouer une scène d'amour, c'est vrai que c'est pas la meilleure des choses, hein. Par exemple, elle, c'est une adulte. Bon, faut d'abord que je lui ai parlé au moins une fois, donc... je sais pas. Hey, Cathy! Attends, oh my god, tu m'as répondu, bah oui. Désolée, mais je ne sais pas si je pourrais regarder le live. Mais il n'y a pas de souci de vous aider, je comprends. Une émotion, Kaza, une émotion ou un état d'esprit, exactement. Coucou Eva. Mais bon, ça me dit pas si c'est ça qu'il faut, en fait. Parce que là, si je lui parle, on va devenir copain-copine. Et là, ce que je peux faire, c'est soit jouer une scène d'amour pour obtenir des pourboires, ou voilà. Allez, au pire, je vais essayer de faire la scène d'amour. Ça va peut-être débloquer une autre scène. On va tester. Et puis en même temps, ça fait des pourboires. On est à 5300 simflows en plus, tout pile. On va voir combien d'argent on peut gagner. Mais non, je veux pas parler. Je vais faire la scène. Attendez, je vais faire la scène d'amour. Pour des pourboires. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Bon, on la connaît, la scène d'amour. Blablabla. On va s'embrasser. Voilà. Et c'est fini. Est-ce que ça a débloqué quelque chose ou pas? Combien d'argent nous avons gagné? Bon, maintenant elle est enjôleuse. Mais on n'a pas gagné d'argent. Ils sont allés pour voir. Ah si, c'est bon, ça arrive. Bon, c'est une ado, donc je pourrais pas. Présentation dragueuse. 5300 simflouz, hein. Ah ouais, hein, coucou Enola. Scène d'amour, jouer une scène. Bah non, ça débloque pas forcément, mais... En fait, faudrait que j'essaye avec la même personne que tout à l'heure, mais elle s'est barrée. Non, je pense qu'il faut un état d'esprit, je ne sais pas. Hey, my Miku Ward! Peut-être comme le truc pour proposer un plan faux, faut être... Ouais, justement, ce que je me dis, mais du coup, il faudrait quel état d'esprit? Motivé? Sportif? Peut-être? De toute manière, là, on va pas y arriver, donc je pense qu'on va... Qu'on va finir son truc de fitness. Oh, Yannicky. Qu'est-ce que tu fais, Nikki?
Allez, on va faire une présentation amusante. Yaniki, regardez comment elle marche. Regardez, elle a les yeux limite fermés, tu sais. Ah mon dieu, cette snobinarde. Regardez, elle va derrière le bar. Ouais, moi j'ai pas le droit et pas vous. Hein. Moi j'ai le droit d'aller derrière le bar, ok? Toi, t'as pas le droit, toi. Toi, t'es qu'un humain normal. Moi, je suis une star. Bon, on va essayer de devenir amis avec elle quand même. Ah, on peut lui parler, on peut faire connaissance et tout. Oh, on va commencer à devenir copain-copine. Copine-copine plutôt. Oula, le chat, il s'est excité là, excited, Snobinard. Qui est venu avec sa robe moulante. Elle est venue, elle respecte personne, Nikki. Bon, ça va. Encore, on est dans un bar, donc à la limite, jouer une scène d'amour avec Nikki, t'imagines? Bon, allez, on va blaguer un petit peu avec elle et tout. Non, petit chat. Non, non, non. Tu viens pas là parce qu'après, tu vas me couper la circulation du sang. Discuter de son groupe préféré. Ouais, pour dire, genre, ouais, Nikki, j'adore. Non, petit chat, tu t'en vas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon frère, il a ramené du Luxembourg. C'est un monster, donc aujourd'hui c'est pas Burn, aujourd'hui c'est Monster. Et c'est un monster violet, ils en vendent pas, je crois, vers chez moi, les violets. Donc voilà, ça change un petit peu. Coucou Amaya! Discuter de la paix dans le monde. Ouais, bah avec Nikki, ça va être compliqué de discuter de la paix dans le monde. Elle est tellement violente! S'extasier sur ses chanteurs préférés, parler de bricolage, je veux vraiment devenir amie avec. Oh bah voilà, petit chat a gagné. Chat, miaou, miaou, miaou. Bon, allez, installe-toi, sinon tu vas pas me laisser. Discuter de technique d'entraînement. Raconter une histoire drôle, tout ça, tout ça. Parler de cuisine. J'entends dire qu'il y avait une foire au talent au bar à Cocktail, si on allait se ridiculiser. Ouais, non. Là, je suis occupée avec Nikki. En vrai, tu rencontres Nikki. Si quelqu'un te propose une soirée, tu dis non, je suis avec Nikki, désolé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi tout le monde est parti par là? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va chanter? Non? Demander un autographe. Tiens, on va quand même lui demander un autographe. Juste histoire d'en avoir un et de pouvoir l'accrocher sur le mur. Demander comment s'est passée la journée. Regardez, elle parle de prison, il y avait des menottes. Complimenter sincèrement. Bah pour l'instant, ça va. Elle nous aime bien, Nikki. Elle nous aime bien. Conversation profonde. Regarde, il y a le paparazzi qui fait hey, tournez-vous, Ayana, Nikki, une photo, une photo, une photo. On dirait trop mon chat tigrou. Hey, Mboka, il est trop mignon, merci à lui. À quand créer Cardi B pour que Nicki Minaj a une pire ennemie? Et tu rigoles, ça se fait, on va créer Cardi B, pardon, et Nicki Minaj et Cardi B vont devenir copines, hein, ça se fait. Et merci à Chérine, bienvenue à toi, Chérine, merci beaucoup pour ton abonnement. Et monsieur là, monsieur Plenosas là, Geoffrey là. Laisse-moi avec ma copine. Laisse-moi avec ma copine. Je vais au jardin du festival des épices. Désolée, aujourd'hui je dis non à tout, hein. Par contre, je vais changer la couleur du fond du téléphone parce que honnêtement, hein, le rose, le blanc sur du rose, ça se voit pas. Encore si les messages seraient en bleu comme ici, ça va. Mais on voit pas en fait. Peut-être mettre en violet, tiens. Et merci. Ah, bah tiens, Ariana. Une Ariana qui s'est abonnée. Ariana, elle a des fesses énormes. Bah, en fait, je voulais les mettre encore plus grosses que ça. Mais c'était le max que tu pouvais. Tu ne pouvais pas faire plus que ça. Partager tes photos. Allez, on s'échange des petits comptes Instagram, tout ça, tout ça. Ah, c'est bon, on reçoit un auto de Nicki Minaj. Oh my god. jouer une scène, on veut pas. Bah tiens, au pire, on peut s'entraîner avec elle, hein, pour voir si ça peut débloquer un état d'esprit. Après, tu passes MP. Ouais, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Genre, les deux, ils se mettent au milieu de la conf tranquille. Ouais, t'as vu, il est venu en mode... Ouais. Mais en vrai, ça doit être comme ça. Genre, il y a quelqu'un de très la popularité qui discute avec quelqu'un. Bah, t'as forcément les fans qui viennent entre les deux, machin. Ouais, je veux ci, je veux ça. Ouais, machin, photo, auto. Elle part de la prison car elle va y aller avec les croix. Oh bah merci Alex. Bah bienvenue sur cette chaîne. Merci beaucoup. Je viens de réaliser que mon abonnement de ta chaîne Sim s'est enlevé. Ah bah c'est possible. Hein, c'est possible. Ça arrive. Hein. Bon, on va faire ça. Puis après on va quand même l'envoyer. On va la faire rentrer pour aller aux toilettes, manger, dormir. Comment ça faire tard. Il se passe quelque chose d'incroyable aux ruines. Tu as envie d'aller voir. C'est un alien qui me le dit. Hein. Mais non. Là on est avec Nikki.
Par contre, elle va se faire pipi dessus, hein, Ariana, au bout d'un moment. Allez, on va juste tester l'entraînement. Bon, allez. On va la faire rentrer. On est devenu copine avec Nikki. Ça veut dire qu'on pourra l'inviter à la maison. Par contre, ce qu'on va faire par principe, tant que la maison elle est pas super belle, etc., ou qu'on n'a pas déménagé, on n'invitera pas Nikki à la maison. Éventuellement, on l'invitera à sortir quelque part. Mais vu que Ariana, on va dire, sa maison elle est pas encore famous pour inviter une célébrité de son rang, on va pas le faire. Ok, dodo. Pipi dodo. Vous savez comment ton chat... Mon chat s'appelle Petit Chat. Coucou Lali Polyp, comment ça va? Coucou David, ça va et toi? Coucou Eliana, comment vas-tu? Je viens de me faire... Pi, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu viens de faire quoi? Ah, pirater, je comprends pipi dessus. Kaza, Nikki et les croix, tu te souviens? Bah oui, comment veux-tu que j'oublie ça? Ah, elle a fait une soirée horrible. Bah oui, bon, il y a des jours comme ça. Hein. Tiens. On va enlever la nourriture gâtée, on va prendre des restes et tu sais ce qu'on va faire. Ah bah tiens, les nains de jardin, ils sont encore là, on va récupérer les trucs qu'ils ont fait tomber. Bon, pas sûr qu'un jour elles se mettent au jardinage, mais on sait jamais. Donc on les récupère, de toute façon, vaut mieux les mettre dans l'inventaire que les laisser par terre. On va peut-être regarder un film d'action à la télé pour l'état d'esprit, pour pouvoir après refaire une scène. On va peut-être également finir le fitness. Ah bah c'est bon, elle a fini. Bah c'est quand qu'elle l'a fini? À quel moment elle l'a fini? Et là, on va mettre, regarder la chaîne d'action. Pour voir l'état. Je ne sais plus quel état ça met. Mais bon, on va faire ça, quoi. On va faire ça. D'ailleurs, est-ce que... Regardez la chaîne. Attends, on va mettre, regarder la chaîne humour. Regardez la chaîne d'action. Rien ne vaut une bonne émission pleine d'action pour faire palpiter le cœur d'un sim. Ouais, non, ça met pas. Il n'y a pas vraiment de compétences. Par contre, sportif peut-être. Regardez la chaîne de sport, ça fait. Qui préfère gagner contre son adversaire. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui marche dans la rue que je connais, que je puisse interpeller là par exemple? Non, c'était un panneau, c'était pas un sim ça. Je trouvais que c'était quelqu'un avec des cheveux bleus, mais non. Et merci poussière d'étoile, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. Kaza, comment s'appelle ton chat? Bah, il s'appelle Petit Chat. Quand est-ce que Harry déménage? Bah, quand elle aura de l'argent. Pour le moment, on a refait toute sa chambre, donc sa chambre, elle est magnifique. Mais on a de l'argent. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous préférez qu'on refasse en premier? Pas sûr que je le fasse à ce live-là, mais est-ce que vous voulez qu'on refasse d'abord le salon ou la salle de bain? Enfin, d'abord peut-être la cuisine. La cuisine ou la salle de bain. Je rappelle la dernière fois, à prendre en compte, que Ariana avait cassé toute la salle de bain. Donc c'était peut-être un message subjectif pour dire oui, d'abord je veux une belle salle de bain. Mais à vous de voir. C'est vrai que si on changeait la cuisine, en fait c'est pas dramatique la salle de bain. Par contre la cuisine, elle est dramatique. Cuisine, salon. Hey Geek Fun, salon, cuisine, salle de bain, cuisine, salle de bain, cuisine, salle de bain, salle de bain. Refait la cuisine, salle de bain, salon, cuisine. Ok, il y a quand même plus de cuisine. Donc on va partir sur un relooking de la cuisine. Merci Charlie, bienvenue à toi, merci beaucoup. Salle de bain, cuisine, tout. Bah oui, on n'a pas de budget pour tout, on a 5 Miss Mplouz. Mais une fois qu'on aura refait toute la maison, après on commencera à économiser pour aller déménager dans une méga grande maison pour Ariana. Donc en plus, elle va gagner de plus en plus d'argent normalement. Ok, elle est joueuse et maintenant je vais essayer... Bah tiens, toi là. Toi. Oh non. Allez, on va faire une présentation amicale. On va tester si on peut faire une scène avec lui ou pas. Soul. Jouer une scène. Ouais, non, mais je peux toujours pas faire une scène d'action. Mais comment on fait? Je comprends pas. Attendez, on met en pause parce que je vais pas y arriver. Jouer une scène d'action ou jouer une scène de science-fiction avec un autre Sims. Alors, je vais peut-être essayer d'inviter le réalisateur et les co-vedettes. Parce que peut-être on peut jouer une scène d'action uniquement avec un autre Sims qui a une capacité de jouer des scènes d'action. Attends, on va rentrer. Est-ce qu'ils arrivent? Ah. Bah coucou, est-ce que je sais pas c'est qui mais...
Bonjour. Bonjour, bonjour. Et merci Nightcore Royal Music, bienvenue à toi, merci beaucoup. La cuisine c'est la cata, effectivement la cuisine c'est la cata, mais c'est vrai que là il a pas, ils ont, elle a pas pété la cuisine depuis un petit moment. Alors, jouer une scène, non. Est-ce que peut-être que c'est lui? Plus de choix, jouer une scène d'amour. Bah ouais, je comprends pas. Je ne sais pas comment faire pour jouer une scène autre que d'amour. Pourtant, j'ai essayé de changer d'état d'esprit, mais non, c'est pas ça. Je vais peut-être aller me spoil sur internet pour voir. Coucou Elliot, tu vas agrandir la maison de Ariana Grande? Oui, mais elle va surtout déménager à un moment donné quand on aura assez d'argent. On le voit pas d'ici, je crois. Il y a une vallée normalement avec des gens riches là. Ils sont où les gens riches? Ouais, mais en vrai, je les vois pas d'ici. Mais en gros, il y a un quartier où il y a des grosses maisons sur une colline et on va déménager là-haut quand elle aura assez d'argent. Pour le moment, elle n'y est pas encore, même si elle a une très belle chambre. Et d'ailleurs, on avait investi dans un bon PC la dernière fois. Mais oui, vous inquiétez pas, elle va déménager, elle va pas habiter dans ce taudis toute sa vie non plus. Alors là, ça commence à être compliqué. Moi, je vais essayer de voir Sims 4 Heures de Gloire jouer une scène d'action. Parce que peut-être qu'il n'y a pas que moi qui me suis posé la question. Pour trouver un petit peu. Attends, on va faire scène. Ah, jouer une scène d'action. Jouer sur scène, scène d'action. Peut-être que ce sera directement sur notre lieu de travail quand on jouera une scène d'action. Ça va peut-être débloquer le truc en fait. C'est peut-être ça en fait. Hein. Ouais, au pire, on va attendre. Et on attend. Et puis on voit directement sur le lieu de travail si on joue une scène. Est-ce que ça le valide ou pas au niveau d'ici en fait. On verra parce que sinon je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ah, elle pue de la chaussette. Allez, va prendre une douche, sinon on va encore te dire que tu pues. Et voilà, quoi. Ce sera, voilà. Bon, après, on va un petit peu parler avec tout le monde. Mathieu avec Shingo. Donner une bonne baffe, non, c'est pas cool, faut pas faire ça. Par contre, on va faire connaissance un peu, on va devenir amis. C'est toujours bien d'être amis avec les covedettes, c'est mieux pour le film. Coucou Luan. Il faut être niveau 5 de la compétence, c'est vrai? Coucou Eric. Du coup, faut que je m'entraîne à jouer. S'entraîner à jouer, mais j'ai déjà bien avancé normalement. Comédie, j'ai déjà 5. Jeu d'acteur, je suis déjà à 5. Donc comédie et jeu d'acteur, je suis déjà à 5, mais je peux quand même pas faire de scène d'action. Coucou Eric. On va peut-être monter niveau 6. Même si je pense pas que ce soit ça. Il faut être niveau 6. Ah d'accord, donc niveau 6. Ok, bah merci de me l'avoir dit. Parce que du coup, sinon j'aurais foiré mon travail demain. On va essayer de la monter niveau 6. Par contre, ça va être compliqué parce que même si je la monte au niveau... Ouais, quoique, il est midi, ça va, on peut encore gérer le truc. Mais après, on commence le travail le dimanche matin, il me semble. Ouais, dimanche 9h. Donc faut que je la monte niveau 6 dans l'après-midi. Que le soir, on aille faire un petit tour... Attends, on va l'envoyer aux toilettes pour qu'elle soit bien. Et on va continuer à s'entraîner, à jouer. Ok, bah merci, merci de m'avoir éclairé ma lanterne. Tu vas pas faire un épisode sur Toxic Love cette semaine, bisous. Bah en fait, comme j'ai expliqué dans le channel communauté, enfin l'onglet communauté plutôt, c'est que tout simplement, j'ai pris des screens pour le 6e épisode de Toxic Love. Et je me suis rendu compte seulement après que les screens, ils étaient pris sur mon 2e écran et pas sur mon écran principal. Du coup, j'avais tout perdu et j'avais pas la foi de recommencer vu que ça faisait 3-4 heures que je prenais les screens pour l'épisode. J'ai dit laisse tomber pour cette semaine. J'étais démotivée à fond à cause de ça, quoi. On va récupérer ça. Mais d'ailleurs, les nains, ils repartent pas. Ils restent tout le temps ici. Ils vont rester genre tout le temps. Moi, je pensais qu'à la fin de l'événement, bah, ils repartaient, quoi. Je vais peut-être les déplacer. Je vais peut-être les foutre dehors, les nains de jardin, là. Je vais foutre à côté du sapin, là. Enfin, c'est pas un sapin. À côté de l'arbre. Ok, on va arriver. Niveau 6, il va être 18h. Non, ça va, on a géré. Et puis, on va aller... En plus, ça va, on est plutôt pas mal. Tiens, d'ailleurs, tu vas même nettoyer ta douche avant de partir. Donc, c'est bon. On est passé niveau 6 en compétence de jeu d'acteur. Peut désormais jouer une scène d'action. Effectivement, maintenant on peut jouer une scène d'action. Du coup, la scène de science-fiction, je pense que c'est encore plus tard. Ah bah tiens, en plus, il y a un monsieur qui passe par là, donc peut-être. Allez, va lui parler. Mais c'est un ado, mais avec les ados, je crois que je pourrais pas.
Ah si, jouer une scène d'action pour obtenir des pourboires. Bref, bon, on va peut-être pas faire ça pour les pourboires du coup. Hein. Pas besoin, il y a personne de façon tour. Jouer une scène d'action. Yes! On a appris que Darling avait les traits de caractère suivants. Active. Mais c'est une scout en fait. Mais pourquoi quand je lui parle en haut, ça me marque, ça me montre une autre tête, ça me met une tête d'adulte. Et là, pareil. Mais non, je veux pas discuter avec Victor. C'est qui Victor? Il est où Victor? What? Je jouais une scène d'action. Viens jouer une scène d'action avec moi. C'est la fille qui le poursuit. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok, on va l'attendre ici. Ok. Ok, tant pis, on va faire une scène d'action avec Anya. Présentation amusante. Bonjour, est-ce que vous voulez faire une scène d'action avec moi? Ah bah il est là. Bon tant pis, il voulait pas, c'est tant pis pour lui. On va jouer une scène d'action. Si vous voulez bien madame. Première scène d'action, on va voir un petit peu. Mais pourquoi elle veut pas faire une scène d'action? Ils sont compliqués les gens. Allez, une scène d'action. En plus ils vont méga loin les gens. Oh là là, et en plus ça a arrêté l'action. Ah c'est quoi ça, ça pue. C'est des feuilles qui puent. Je veux faire une scène d'action. Les fails, ouais alors il y a du mal là. Bon, je vais attendre qu'elle vienne peut-être. Mais non, parce qu'après elle va se barrer. On va essayer de jouer une scène pour obtenir des pourboires. Une scène d'action pour obtenir des pourboires. Peut-être qu'avec les pourboires ça a l'air de fonctionner. Ok, c'est bon, on commence. On va regarder un petit peu ce que ça donne une scène d'action. Parce que c'est la première fois. Ah d'accord, c'est un combat en fait. Ce n'est rien d'autre qu'un combat finalement. Bah bon appétit Elliot. T'es endormie donc je pense pas qu'elle voulait faire une scène d'action. Mais en fait, il n'y en a aucun qui voulait faire une scène d'action. Oh! Oh mon dieu, regardez! Ah, Ariana. Ok, scène d'action, c'est ok. Ah, on est seulement à 50%, faut qu'on trouve quelqu'un d'autre et elle s'est barrée. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un à 22h dans la rue pour faire une scène d'action quand même. On va peut-être rapidement, je sais qu'elle est fatiguée, mais on va aller quand même au bar. Parce que le matin, on n'y arrivera pas, on commence à 9h. On va aller au bar en espérant qu'il y a des gens. Bon, techniquement, un bar à 22h, 23h, c'est... Au pire, on invite des gens, bah tiens, hop, on invite tout le monde. Allez, venez, 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 tout le monde. Venez le tout le monde. Ariana est une alien. Et oui, la face cachée d'Ariana. Invite quelqu'un chez toi pour faire la scène d'action. Bah j'ai peur qu'ils veulent plus les Sims venir chez moi vu l'heure qu'il est. Parce que je crois qu'à partir de 22h, si tu les invites, ils te disent au téléphone « Ouais, mais t'as vu à quelle heure tu m'invites et tout ?» Alors là, on va faire rapidement une scène d'action pour les pourboires. En plus, vu qu'il y a des gens. Une scène d'action pour les pourboires. On est à... 5378. Et c'est bon, on a fini. Oh, on a reçu moins d'argent que pour la scène d'action d'amour. On recevait du plus de 30 simflous par personne. Et là, on a reçu 7 simflous par personne. Peut-être aussi parce que je suis au niveau 6 ou 7. Et peut-être que Mariana aussi, elle est un peu fatiguée. Du coup, elle a pas très très envie de bien jouer la comédie. Mais le plus important, c'est qu'on a fini les tâches pour bien réussir le travail le lendemain. Et on va, je pense, avoir le temps de faire notre journée au travail avant de finir le live. Et ça, c'est cool. Re-Angel. Coucou, Charlène. Re-Célia. Et, bah, écoutez, on va l'envoyer dodo parce qu'elle est fatiguée pour qu'elle soit en pleine forme. On la fera manger le matin quand elle se lève. Hein. Allez, va dormir. Et après, elle prendra des restes. C'est parfait. Coucou Rosalie, ça va et toi? Aurélie. Non, je suis contente. On a réussi à faire tous les objectifs avant l'heure. Hey Galaxy, coucou Marine. Allez, petit miam des familles, petit passage. Oh, on est en hiver. Yes, on est en hiver. Donc maintenant qu'on est en hiver, ce que je vais faire, c'est que dans les options du jeu, je vais mettre durée des saisons 28 jours. Voilà, appliquer les modifications. Voilà, comme ça, l'hiver durera 28 jours et on restera en hiver pour rester dans la saison de Noël et tout et tout.
Du coup, on fait la cuisine. Yes, on refait la cuisine à la fin du live si on a le temps. Après sa journée de travail. Voilà, après sa journée de travail, si on a le temps, on refait sa cuisine. Elle a besoin d'un petit peu de divertissement. Oula, tout ça. Allez, regardez un film pour changer un petit peu. Et moi, je vais ramasser tous les trucs qu'il y a par terre là. Peut-être que je pense que je vais les revendre, les nains, parce que c'est bien beau, mais. Oh, ils en foutent vraiment partout. Ou est-ce que je peux mettre genre le. Non, je peux pas mettre le nain de jardin dans l'inventaire, mais peut-être que je peux mettre dans l'inventaire de famille, dans le mode construction, pour les garder, hein. C'est toujours marrant de les garder, ça peut être drôle. Et du coup, il faudra changer les tenues, non? Ou on peut aussi changer des tenues. D'ailleurs, Galaxio m'a envoyé un CC, enfin m'a envoyé vers le lien d'un CC de The Sims Ressources avec une robe qui rend bien Ariana. Si vous voulez, on va lui mettre la. Je vais vous montrer aussi, avant de couper le live, la robe et peut-être lui faire une nouvelle tenue. Ça peut être cool, non? Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, en même temps, je vous montre la nouvelle tenue. Par contre, pour l'update, parce que du coup, sur ma vidéo Ariana Grande, où je vous propose des CC, vous ne l'aurez pas. Mais peut-être qu'à un moment donné, si je fais beaucoup de nouvelles tenues, je ferai un petit update vidéo. Ok, elle commence dans 1 heure le travail à 9 h. Donc ça, bon, on a le temps. On est bien au niveau des besoins. On est même très, très bien. Ouais, on va laisser passer le temps. Elle s'est endormie? Comment elle a réussi à s'endormir sa première fois? En plus, en regardant un film d'horreur, elle regarde Massacre au clair de la lune et puis elle s'endort devant. Donc, on va rejoindre Ariana, comme d'habitude, à son boulot pour bien réussir notre journée et gagner un max de blé. Surtout pour gagner de l'argent pour notre cuisine. On a fait un coping-coping avec Nikki. Bah oui, bah il était temps qu'on devienne copain avec Nikki. Merci Pamela. RMB, coucou Miss Clara. Donc, nous sommes au studio et ça c'est cool parce qu'on. Bah, oh, c'est beau. Oh, regardez le décor. Il est beau, hein. Franchement, il est beau. Bon, la boue, vous savez, hein, on l'appliquera à la fin. Nous devons répéter la scène avec le covenant et raconter une histoire. Ok, on doit même plus changer. Et ça, je vous avais déjà dit, je trouvais ça dommage de ne plus changer. Mais est-ce qu'on peut quand même se changer? Genre, si je décide quand même d'aller me faire changer? Ouais, on va quand même, pour jouer le jeu, on va quand même se maquiller et se changer hein, pour le contrat. Parce que franchement, moi, je trouve ça dommage, même si on est une star, de jouer dans un film, mais de ne pas rentrer dans la peau du personnage. Parce que même les stars, quand elles jouent un film, bah, elles jouent pas leur rôle, sauf si elles doivent jouer leur rôle dans un film. Parce que souvent, ça arrive aussi dans les films comiques ou dans les séries comiques, qu'une star fasse son apparition en tant que star, comme elle est dans la vie de tous les jours. Coucou Sandra! Mais tu peux quand même te changer, bien sûr, voilà, exactement. Mais j'y avais pas pensé la première fois. Coucou Nicolas, comment vas-tu? Je pense que je vais faire que passer car après je fête mon anniv. Ah bah joyeux anniversaire Nico, joyeux anniversaire à toi. Ok, on va répéter la scène et on va se changer pour le film, sinon c'est pas drôle. Faire connaissance avec quelqu'un sur le plateau. Donc bah tiens, vu que juste après on va finir ici. Faire connaissance, on avait dit c'est dans Amical. Voilà, faire connaissance ensuite. Yes, regardez, ça nous permet de voir un petit peu à quoi elle ressemble, voilà, des nouvelles coupes et tout. Franchement, Ariana, il y a tout qui lui va. Peu importe la coupe que tu lui mets, peu importe le costume que tu lui mets, il y a tout qui lui va, hein, clairement. Franchement. Ah, franchement, c'est stylé, hein. Oh, la tenue, elle est stylée et tout, regardez. En vrai, ça, faut que je mette ça dans la prison, tu sais. Vous savez, la prison, le challenge de la prison, créer une Sims avec cette tenue. Parce que ça fait genre, ouais, on survit et tout, on prend ce qu'on trouve. Ok, raconter une histoire. Comment on fait pour raconter une histoire? Cliquez sur une Sims, raconter une histoire. Elle peut être drôle, captivante ou dramatique. Ok, raconter une histoire. Est-ce que ça peut être dans drôle? Non, je pense que ça doit être dans amical. Créer un cadeau. Raconter une histoire de groupe. Un conte de fées à propos d'une princesse ou d'un naufragé. Ah bah tiens, d'un naufragé. Non, on va peut-être juste choisir lui, voilà. Est-ce que ça suffit si c'est de groupe? Ça fait pas trop survivant, mais punk. Ouais, mais je veux dire, là, ça fait genre, ouais, on a récupéré. Une épaulette pour se protéger contre les zombies, et puis voilà, t-shirt déchiré parce que bon, au bout d'un moment, on peut pas réparer ses propres affaires, etc. Après, je parle pas de la coupe. En fait, c'est vrai que le costume plus la coupe, ça fait
punk, mais je pense que le costume, juste le costume en lui-même avec une autre coupe, ça fait un peu moins punk quand même. Ok, tu finis de raconter ton histoire? Oh, ça a marché, mais il n'est pas content. Il n'a pas aimé notre histoire, Masato. Il n'a pas du tout aimé. Demandez à Keiki comment s'est passée la journée. Bon, je vais quand même lui demander pour lui remonter le moral. Amical, demander comment s'est passée la journée. Voilà, demander comment s'est passée la journée, hein, peut-être pour lui remonter le moral. En fait, lui veut lire son livre. Vas-y, casse-toi, meuf. Va jouer ton travail de comédienne. Et laisse-moi tranquille. PTTR, t'es qui ? On va quand même aller dire au réalisateur que le travail peut commencer. Voilà, réalisateur, il est juste ici. Le tournage peut commencer. On va suivre notre Ariana. Mais ouais, non, on va quand même s'amuser à chaque fois à lui mettre le maquillage, la coiffure, la tenue pour faire les scènes. Parce que sinon, franchement, ça le fait pas. Mademoiselle, coucou, personne qui arrive. La coupe est de trop, mais ça lui va quand même, tu vois. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il veut pas ? Ça n'a pas marché. Il y a eu un truc. Pourquoi elle est embarrassée? Pourquoi? A mal raconté la fin. Ah oui, ça c'était pour la... Oui. Ok, alors, nous sommes maintenant dans un univers post-apocalyptique. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est habillée en punk et tout ça. Parce que ça, on tourne dans un film post-apocalyptique, les gens. Et nous allons, comme d'habitude, faire les scènes en risqué. Parce que ça a toujours marché. Je sais pas, j'ai toujours fait ça. Et ça a toujours bien marché, en fait. Ok, on va la suivre. Ok, donc ça c'est une scène de combat, donc bon, ça on va passer rapidement parce qu'ils font juste un combat, il n'y a rien, c'est pas marrant. Voilà, ici c'est une scène de câlin. Risqué. C'est quoi déjà? Raconter une histoire risquée. Ouais, le souci c'est qu'elle est embarrassée, donc j'ai peur qu'elle fasse mal les choses. Et ça c'est une scène de câlin, je crois, enlacée, ouais. Oh, ils sont choupinous! J'adore. J'adore. Et ensuite, jouer une scène avec une guitare. Ça doit être là, voilà. Allez, on va écouter un petit peu Ariana à la guitare. Non, franchement, elle s'est améliorée hein, pour la guitare. Elle s'est améliorée quand même. Hey, louloute! Tu m'as manqué, Kinzel. Hey, chouette. Franchement? Elle s'est améliorée quand même. Je vais vous augmenter le son. Ok. Non, franchement, ça va. Donc, franchement, guitare bien. Ça s'est bien passé. Jouer une scène où personnage, il meurt. Oh, oh trop bien. Mourir risqué. Mais meurs pas vraiment! Attendez, je sauvegarde, on sait jamais. Vous imaginez si on fait une scène de mort risquée? Est-ce que c'est possible de vraiment mourir pendant le... Voilà, comme les cascadeurs, hein, par exemple. C'est déjà arrivé des accidents aux cascadeurs. On va sauvegarder, hein. On sait jamais. C'est grave chelou, car ça, mais pourquoi? Elle est morte. Oui, on va voir du sang. Oh, dans les Sims 4, ça m'étonnerait qu'ils rajoutent du sang. Il y a juste dans les modes où il peut y avoir du sang. Bon, bah écoutez, on a terminé la performance. Comme d'habitude, on va aller voir ce qui est un petit peu à piquer. Mais le problème, c'est que maintenant, elle a le palais et qu'il faut qu'on prenne des trucs excellente. Ouais, vous voyez, c'est ça. Là, il y a des trucs excellents. Bon, tiens, là, le steak. On va prendre le steak et on va prendre... Attends, il y a un truc qui va apparaître à la place. Tiens, la salade du jardin. Voilà. Petite salade, petit steak. On est bien. On a fini notre performance. Ça s'est bien passé. La lumière s'est éteinte dans les studios. Et nous, on est comme des petits pèlerins, des petits gugus. On est toujours dans le décor. On a éteint la lumière. Merci beaucoup. Je ne vois plus les marches. Non, mais franchement, j'ai bien aimé, là. Et, notoriété, bon, comme d'habitude. Et 2825 Simflouz. On va rentrer chez soi. Avec beaucoup d'argent. Je reconnais pas Ariana. Ah oui, là, tu la reconnais plus. Tu la reconnais plus, c'est la coupe, ça change beaucoup, mais tout lui va bien, quoi. Parles-tu de mes robes? Non, c'était Galaxio qui m'avait envoyé celle-ci. Promu au poste de comédienne chevronnée, donc je vais vous montrer un petit peu. On est passé au niveau 8 de la carrière actrice. Attendez, je vais vous lire, mais d'abord, on va
On va voir qu'est-ce qu'elle fait. On va l'envoyer faire quelque chose, je pense. Allez, va aux toilettes, prendre une douche et nettoyer le lavabo. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans cette carrière. Ce sont des fausses larmes, des changements de costume et une cécité partielle provoquée par des éclairages de scène qui ont permis à Ariana d'arriver jusque-là. Elle est désormais une comédienne chevronnée et peut passer des auditions pour les rôles les plus exigeants. Nouveaux éléments débloqués. Costumes médiévaux, costumes de créatures, costumes d'extraterrestres, scène aventure médiévale. Et prochaine promotion sera Superstar. Hâte de finir la carrière quand même. Et on va aller voir aussi... Bah, tout simplement, c'est quoi nos prochaines opportunités de contrat pour un petit peu voir qu'est-ce qu'on va pouvoir combien on va pouvoir gagner d'argent, hein. Soyons pas tabous, hein, sur les Simflouz. Combien d'argent? Prochain contrat? Moi, ça m'intéresse. Bon, on n'est pas encore arrivé à la fin de la carrière, donc on sait pas encore combien d'argent maximum on peut gagner. Mais franchement, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse gagner genre des 10 000 Simflouz à la fin de la carrière. Je ne sais pas, je n'ai pas vu encore de vidéo où les gens ils étaient allés aussi loin dans la carrière. Mais je pense qu'il y a moyen d'arriver à des contrats qui peuvent aller jusqu'à... Ah bah déjà là, on n'est pas arrivé à la fin. Je vois des 6 500, 6 550 Simflouz. Oh my god. On n'est pas encore arrivé à la fin. Donc ça se fait, on peut même monter genre à 15 000, 20 000 en fin de carrière. Vous pensez, c'est possible? Audrey Clémence. Ah, mais celui des costumes d'extraterrestres. Moi, j'aime bien, c'est les costumes. Bah, justement, le Gugus qu'on a vu tout à l'heure. Les costumes un peu Star Wars, post-apocalyptique, j'aime bien. Oui, du cical de Simplouf. On va appeler des Simplouf. Oh mon dieu, c'est. Wouah! Alors, on a le choix entre deux trucs. Bon, à 50 Simplouf d'écart, hein, je vais pas faire non plus. Par contre, j'ai envie de faire ça, Mélodie de la ville, parce que ça, le truc sur le bateau pirate, on l'a déjà fait. Donc, certes, on va. Dans les deux cas, on peut éviter l'audition. Mais celle-ci m'intéresse peut-être un peu plus, déjà parce que c'est plus facile le charisme que le fitness. Même si j'ai l'impression que j'ai bien avancé en fitness, un peu moins en charisme, mais c'est plus facile. Mais pour 50 Simflouz de moins, j'ai envie quand même de prendre Mélodie de la ville, puisque c'est une comédie musicale. Alors, à la recherche d'une star, chaussures de claquettes et voix mélodieuse nécessaires. En plus, elle fait de la musique, Ariana, elle est plus chanteuse qu'actrice en soi, même si elle a commencé par l'actrisation. La comédie musicale classique Mélodie de la ville est adaptée pour le grand écran. Venez danser en rythme d'un million de minuscules gouttes de pluie et chanter vos morceaux préférés. Cette charmante aventure amoureuse urbaine ravira vos yeux et vos oreilles. Bon, on va prendre cette opportunité-là. Bien sûr, on n'aura pas le temps de la faire pendant ce live-là. Par contre, ce qu'on a le temps de faire maintenant, c'est explorer l'émotion joueuse et s'entraîner à jouer des scènes romantiques. Ça, de toute façon, on aura lundi et mardi pour le faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est... Bah, déjà, on va sauvegarder parce qu'on a bien avancé. Mais surtout, on va faire un petit relooking de la cuisine. Et si on a le temps, je vais faire une nouvelle tenue pour Ariana. Donc, je pense que tout ce qui est relooking, etc., on les fera en fin de live. Comme ça, si les gens ils regardent en rediff ou quoi, ou si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout. Et on va relooker la cuisine. Donc on va tout enlever. Là c'est dégueu. Voilà, c'est pas beau. Oh mon dieu, regardez. Est-ce qu'elle peut aller nettoyer ça, Rihanna? Parce que c'est dégueu là. Nettoyer le sol. On va demander de nettoyer le sol avant. Parce que j'avais pas vu. C'est vrai qu'on avait brûlé. Enfin, elle avait brûlé. Moi j'ai rien brûlé, c'est elle. C'est elle. On va la mettre dans la salle de bain pour pas qu'elle dérange. C'est elle qui a tout brûlé. Vous vous rappelez le feu qu'elle nous a fait? Genre c'était au tout début, on n'avait pas d'argent, elle nous a cramé la cuisine. Bonsoir, dommage pour la scène de mort, ils auraient dû t'ajouter du sang et lui trancher la tête. Ouais, c'est vrai qu'elle est morte toute seule, c'est dommage, il n'y a pas. Voilà, une scène. C'est un petit peu dommage. Invite Nikki, elle va t'aider. En plus, on a 10 000 Simflouz. On a reçu un pourboire, ou enfin, je sais pas, ou un truc. Attendez. Notification, s'il vous plaît. Ah oui, parce qu'on a une promotion, oui. Effectivement, on a une promotion. Du coup, on a gagné aussi un peu plus de Simflouz. En plus des 2 000 et quelques qu'on a reçus pour notre scène dans le film. On va faire la cuisine. Quelle couleur la cuisine? D'ailleurs, est-ce que vous voudriez une... Est-ce qu'on fait une cuisine un peu genre beige? On fait une cuisine rouge? Est-ce qu'on repart sur du bleu? Comme la chambre, même si je suis pas super fan de mettre la même couleur chambre et cuisine. Parce que c'est deux trucs différents. On peut partir sur du rouge, du noir, du blanc, enfin. Qu'est-ce que vous voulez comme couleur? Vers quelle couleur vous voulez qu'on se tourne pour la cuisine? Oui, le feu Ariana, la pyromane, mais c'est trop ça. En fait, elle a fait. À la semaine dernière. Ah ouais? Alors, beige, beige, rouge.
On a deux beiges et un rouge, une cuisine dame nature. Beige, beige, jaune, c'est la couleur des citrons. Ouais, enfin beige, on va dire, noir, rouge, couleur citron. Gris, beige, blanc, rose pâle, jaune, je dirais rouge. On s'en fout des films, on veut des nouveaux clips. Bah c'est trop ça. Blanc, beige, blanc. Ok, vous êtes majoritaire pour du beige. On va rester du coup dans les tons beige. Hop. On va mettre comme ça. Bon, bien sûr, vous rappelez le sol et tout ça, on le changera à un moment donné. Hein. Alors, dans les tons beige, on va chercher un petit peu ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va aller dans ces tons comme ça. J'ai dit celui-là, il est pas mal. Parce que dans les tons beige, enfin, il y a... Enfin, beige, beige, quoi. Il n'y a pas... Celui-là, gris beige, peut-être. Il est bien, non? Comme ça, on peut faire... on peut mettre, genre... Attends, on va le mettre en coin. Comme ça, on peut mettre tout ce qui est frigo et tout ça en gris. Ça sera assorti. Ah, par contre, ce serait bien mettre en automatique, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ça en fait un beige gris, ça va le faire comme ça. Je trouve que ça fait très la modernité. Là, c'est un îlot. C'est vrai qu'on pourrait faire un petit îlot, mais... C'est vrai que la maison n'est pas méga grande non plus. Par contre, au pire, ce qu'on fait en attendant d'avoir une salle à manger, d'agrandir la maison, c'est un petit îlot central pour y mettre... ça, elle pourra y manger un petit bar, quoi. Un petit îlot, hop. C'est limite, ça fait une table en soi. Ça fait une table. On va essayer de mettre des tabourets. Tabouret beige comme ça. Bon, ça donne un style, mais le problème c'est que les tabourets ils sont un petit peu usés. Et maintenant qu'on a de l'argent, on peut se permettre peut-être de mettre des tabourets un peu plus sympathiques quand même. Un petit peu plus la beautifulité. Voilà, c'est un petit peu trop la beautifulité. Ouais, ça, celui-là, il rend bien, je pense. Est-ce qu'il y a dans les tons un peu plus beige? Beige grilla ou pas? Ouais, celui-là, comme ça. Voilà, on fait comme ça. C'est vite, on peut le décaler en vrai. Voilà, c'est perfect. Moi, je fais mes tables avec hublot. Ah ouais? La beautifulité. Roman. Bah attendez, on n'a pas fini la cuisine. Le frigo, on peut se permettre un joli frigo à 2600. Ouais, mais il est pas beau, en fait, il coûte 2600, mais il est pas très, très la beautitude. Par contre, voilà, mettre 14 000 dans un frigo, faut peut-être pas exagérer, ça c'est des médicaments. Est-ce que celui-là il rend bien? Ça fait un peu à l'américaine, mais juste la couleur. On va voir au niveau des couleurs. Peut-être plus cette couleur-là convient mieux avec le reste du décor. Je pense que celle-ci elle est bien. La petite cuisinière, s'il vous plaît. Comme cuisinière, on peut mettre du gris. Celle-là, 3400, elle est pas mal. En gris, comme ça, ici. Je pense que le mieux, c'est reste quand même la fenêtre. Je vais la mettre ici et ça, comme ça. Un petit lavabo.
Genre, est-ce que... Non, le lavabo passe pas en diagonale. On dirait un coffre-fort. Ouais, c'est vrai que le frigo, on dirait un coffre-fort. Est-ce que vous pensez que ce serait mieux de mettre un autre frigo, peut-être? Je vais quand même tester avec un autre frigo. C'est vrai que celui-là, il fait un peu plus la modernité. Par contre, il est pas en beige. Mais il est en gris. Est-ce que vous préférez ce frigo ou l'ancien? Elle est où la gazelle? Mais sinon, t'as une gazelle qui bouge comme ça. Il y a celui-là, il est peut-être encore mieux, non? Ouais, celle-là. Parce qu'il y a encore celle-ci. Qui est pas mal aussi. Bon, celle-là, on dirait un placard. On dirait plus un frigo après. Il faut une hotte. Ouais, bien dit. Si on va mettre une hotte. C'est vrai que là, la fenêtre, là, on peut la mettre ici plutôt. Et ici, rajouter les placards en haut. Les placards du haut. Les placards. Est-ce que c'était cela? Non, cela, ça le fait pas. En plus, il n'y a qu'une seule couleur. Gris-beige, il n'y a pas. Ah, cela, ça va encore, je pense. On va tester avec celui-ci. Ici, à la place de mettre celui-ci, on met... Là, je vais rien mettre parce qu'il faut que je mette la hotte. Comme vous m'aviez dit, la hotte. Une petite hotte sympathique qui est très le design. Celle-ci en beige. En vrai, on aurait dû faire une cuisine en beige mais marron et pas gris. Ça l'aurait fait. Celle-ci, elle est sympa. Elle est très high-tech. Et elle va bien avec le décor. Hey, petite Lu! J'ai eu deux packs Sims 4 et sauf que le problème, un message apparaît et dit que mon ordi a une mémoire insuffisante et le jeu ralentit et s'arrête en plein jeu. Aide-moi. Ma mémoire insuffisante, c'est... Mémoire insuffisante, c'est la RAM, je pense. Hein, la RAM, c'est pas que t'as pas assez de place sur l'ordi, mais c'est carrément ta RAM. Si tu peux, tu peux ajouter une barrette de RAM. Je ne sais pas combien de RAM a ton PC, mais si c'est un PC qui est pas mal... Des fois, il suffit juste de rajouter une petite barrette de RAM pour un petit peu aider le PC à mieux tourner. Et ça suffit. Hop, peut-être celui-ci, on va tester. Celui-là, il est cool aussi. On va tester en autre couleur. Ah, il n'y a pas d'autre couleur, par contre. Parce que là, du coup, avec la fenêtre, ça matche pas très bien, quoi. Ça matche pas très bien avec la fenêtre. En train de chercher pour une petite hotte. Une petite hotte. Bon, je pense qu'on va mettre ça. Hein. Bah, c'est pas mal qu'une petite cuisine. C'est pas mal. Bon, c'est pas la plus belle des cuisines que j'ai fait, mais pourquoi tu retires pour la fenêtre? Bah, après, s'il y a plus de fenêtre, c'est pas cool non plus. Après, ce qu'on peut faire à la limite, c'est agrandir ici et faire comme ça. Oh,
Après, c'est vrai que c'est chelou d'avoir la fenêtre juste devant la gazinière. En gros, faudrait plutôt que je la mette au niveau du lavabo. Genre comme ça. En soi, comme ça dérange pas non plus, quoi. Oh, de toute manière, elle va pas rester ici jusqu'à la fin de sa vie, Ariane, hein, elle déménagera. Qu'est-ce qui manque dans une cuisine encore? Pareil. Ah, lave-vaisselle, les gens. Le lave-vaisselle, c'est très important. Et la poubelle, pour l'instant, on va la mettre là. Peut-être ajouter de lave-vaisselle de ce côté-ci. Un lave-vaisselle. Et du coup, on va prendre ça, on va l'ajouter là. Et on va mettre un lave-vaisselle. Regardez lequel. Celui-là, il rend mieux, je trouve. Alors, on va le mettre là. Lave-vaisselle. Il y a quoi comme autre appareil électroménager? Petit micro-ondes, non? Voilà, petit micro-ondes. Et puis, on est bon, micro-ondes. Tout ça, c'est bon. Café, je veux pas, parce qu'après, on va boire que du café. Hier, j'ai mangé du chocolat, j'en ai foutu plein ma souris et mordé. Et là, je tape... Ah! Bah, en parlant de chocolat, moi, j'ai reçu aujourd'hui. Parce qu'en fait, hier, c'était Saint-Nicolas, mais du coup, on m'a offert ça aujourd'hui, c'est ça. Je connais pas cette marque. Ça, c'est moi. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est bon, je sais pas ce que ça vaut. Quelqu'un qui me l'a ramené du travail. Je l'ai pas encore ouvert. Bon, je suis pas trop alcool, donc j'espère qu'il y a pas... Ah, de chocolat sans alcool, parfait. J'aime pas trop non plus les chocolats alcoolisés. Un papier peint, une poubelle. Ouais, c'est vrai que la poubelle, on peut la modifier aussi. On commence à être limite en argent, mais... Ah, la table, elle a disparu. Pourquoi la table a disparu? Ah, parce que j'ai agrandi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais au pire, on remet comme ça. La poubelle. Une poubelle. On va prendre une poubelle un peu plus esthétique. Peut-être celle en aluminium. Elle rend mieux, je trouve. Voilà, on va mettre ici. On va peut-être un petit peu la rapprocher. Et le papier peint, tout ça, carrelage. On peut faire un coin ici. Un coin carrelé. C'est vrai que ça peut donner beaucoup de cachet à la cuisine d'avoir un coin carrelé dans les tons beige. Tata, celle-là peut-être. Un truc genre gris beige. Je trouve que celui-ci rend bien. Je suis en train de réfléchir si on devrait pas rajouter En fait, là, on laisse ouvert, mais on met juste un mur pour pouvoir délimiter le carrelage ici. Et là, laisser comme ça. Parce que là, ça choque pas. Et du coup, bah, pour l'instant, vu que le salon, on s'en est pas encore occupé, faire un truc comme ça. Ici, à la limite, on aurait même peut-être pu refermer, mais du coup, laisser ça comme ça, c'est pas mal. Et là, bah, on peut se permettre de décaler d'un cran. Et remettre le sapin. On peut vendre ça à 100 simflouz. Bon, on va les vendre, hein, parce que... Pas très très beau le carrelage.
Moi, je trouve que ça change. Je fais un demi-mur entre la cuisine et le salon. Ouais, c'est vrai qu'un demi-mur, ce serait peut-être mieux. Ce serait peut-être mieux quand même le demi-mur. On va mettre un petit demi-mur. On va tester le petit demi-mur. Peut-être mettre le un peu plus grand, celui-là. Ouais, non, celui-là, il est bien. Et entre les deux, on met un truc blanc. Ça ira mieux. Voilà, pour le moment. Vous aimez pas trop trop le carrelage? Pourquoi pas un comptoir? Parce qu'en fait, bah là c'est bon, bah on va dire qu'on peut considérer ça comme si c'était un comptoir. Hein. Et pour le sol. En fait, pour le sol, je pense qu'on va rester sur le parquet dans toute la pièce. Parce qu'après, sinon, ça va trop faire de. Ça va faire un trop gros décalage. Mais genre, quand même, changer et mettre un truc peut-être un peu plus stylé. Parce que franchement, en blanc, regardez, ça change quand même beaucoup. Hein. En blanc, ça rend déjà beaucoup mieux. Et là, on avait mis en noir. Mais si on peut mettre en blanc. Ça grandit la pièce tout de suite, quand même. Hein. Je suis en train de regarder. Ça, c'est un CC. Je trouve que comme ça rend bien. Montrer des pointes. Des pointes des cheveux. Non, il est bien comme ça. Moi, je trouve que le carrelage, il rend bien. Après, attendez, si vous voulez peut-être qu'on aille voir si on peut faire mieux. Là, c'est quoi? C'est du carrelage? C'est pas du carrelage. Non, c'est du marbre. Ça, c'est du marbre. Celui-ci. Mais celui-là, il est cradox, non? Enfin, non, après celui-là, il va faire trop propre. Celui-là, ça fait trop salle de bain. Préférez peut-être celui-ci. Dites-moi si vous préférez celui-ci ou l'ancien. Attends, celui-là il est encore mieux. En gris. Est-ce que vous préférez celui-ci? Oui. J'achète quoi du calmer, il y a une nouvelle texture, s'il te plaît. Mon salon, on le fera un relooking la prochaine fois, mais on peut changer la couleur. Même pour le moment. Pour le moment, on va le mettre en noir pour contraster. En blanc. Ça va bien avec ça. Hop. Et tiens, un sapin. Comme ça, elle a un sapin différent de l'année dernière. J'aime bien l'ancien. Avant, s'il te plaît. Coucou Margot, avant l'autre, l'ancien. Je préfère l'autre. Avant, c'était mieux. Ok, bon, mais on remet l'autre. C'était l'autre, c'était celui-ci en couleur gris. L'autre, c'était celui-ci. Voilà. Ok, on remet l'ancien pour l'instant. On a dépensé 8500 simflouz déjà. 8500 simflouz dans la nouvelle cuisine. Mais au moins, c'est fonctionnel, c'est bien, c'est cool, j'aime bien. J'aime bien, ça change des cuisines habituelles. Hein. J'essaie toujours de vous proposer des trucs différents et de pas toujours refaire les mêmes choses. On va se remettre en mode vie, on va sauvegarder et on va... Ouais, c'est vrai que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en live, mais j'ai quand même envie de faire un petit relooking, rajouter une tenue. Porter un déguisement de célébrité, prévoir des tenues. Voilà, je vais essayer de retrouver la robe que j'ai téléchargée. La salle de bain, ouais, on n'a plus de budget pour la salle de bain. C'était soit la cuisine, soit la salle de bain, soit le salon. Vous avez choisi la cuisine. La prochaine fois, vous aurez le choix entre le salon et la salle de bain.
Et ensuite, on économisera de l'argent, soit pour des petits trucs, pour améliorer sa vie de tous les jours, son quotidien, mais également garder de l'argent pour déménager dans le plus beau des quartiers d'El Sol Valley. Donc, pour sa tenue, je pense qu'on va mettre en quotidien. C'est une robe, mais c'est une robe assez basique. On va rajouter une tenue et on va aller chercher la tenue dans les robes. Maintenant, il faut que je la trouve. Il faut que je la trouve parmi tous mes CC. Attention, petit chat, parce que là, j'ai plus de circulation du sang, s'il te plaît, mon chacha. Il fait pas bouger. Hein. Oh, vous l'avez entendu miauler. Je vais vous l'enlever, fait miaou. M'enlève pas. Non, je veux rester. Je vais juste chercher la robe avant de finir le live. Nouvelle tenue. Comme ça, vous allez me dire si... Parce que vous êtes un peu plus pro Ariana que moi. Mais du coup, si ça vous parle, la robe ou pas. Alors, on commence à aller dans les robes CC, là. Je vais essayer de pas aller trop vite pour pas la zapper. J'espère qu'elle est dans les quotidiens. Ouais, je pense qu'elle va être hein, quotidien. Ah, j'ai cru l'avoir vu, mais c'était pas ça. J'ai tellement d'affaires en fait, faut que je fasse attention de pas aller trop vite. C'est bon, je l'ai trouvé. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Par contre, c'est en quelle couleur le mieux? On dirait qu'elle est enceinte avec cette robe en fait. Regardez hein, devant. L'impression qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que vous en pensez de la robe? Je ne sais pas par contre quelle couleur elle porte quand elle porte ce genre de robe. En blanc, ça donnerait ça. Bon, après, ça fait bizarre parce que mon fond est blanc. Mais il faut penser que... Voilà. La robe dans le clip Notice Left to Cry est rose. Le seul rose qu'il propose, c'est un rose comme ça. Bon, moi, ça me va. Puis ça changerait, c'est vrai que... Voilà. De son clip en toute blanche. Ouais. Mais c'est laquelle, blanc ou rose clair? Bah, il n'y a pas de rose clair. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de rose clair. Il y a juste le rose là qu'il me propose. Après, il y a aussi un rouge. Hein. Je trouve qu'en rouge, ça rend bien aussi. Hein, tout en rouge. Je trouve que différentes couleurs, ça passe bien noir. On dirait l'enceinte. Ouais, mais ça reste bon quand même. Ça va, c'est sympa. Un peu trop court, mais c'est beau. Ouais, mais bon, tu sais, c'est une star. Hein. Voilà, quoi. L'impression qu'elle est grosse. Oh, moi, je trouve que ça va, en fait. Alors, elle est bien musclée quand même. Hein. Avec tout le fitness qu'on a fait, regardez comment ses jambes elles sont musclées. Elle est mince, mais en plus de ça, elle est musclée. On voit bien là, le dessin de ses muscles. Je crois que c'était blanc avec des points noirs. Enfin, pas sûr. Parce que sinon, il y a ça, hein. Il y a le truc rayé. Bon, c'est pas des poires, mais... C'est plus rapide que toi, moi. Très joli. Moi, j'aime bien, quand même. Elle est belle, la rouge. Ouais, on va peut-être pas forcément copier la même couleur qu'elle a dans le truc, mais mettre un truc qui nous plaît bien. Donc, en rouge, on va peut-être juste changer les chaussures pour que ça change de ce qu'elle porte habituellement. On va mettre soit des talons rouges, soit peut-être des sandales un petit peu pour changer, pour pas qu'elle soit tout le temps en talons. Mais bon, ça reste une star, les stars elles sont toujours en talons. Ça en rouge peut-être. Et merci la petite coquille, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. On va regarder ça. Ah, ça je pense que ça rend bien avec cette robe. C'est des talons, mais ça fait un peu moins classe, je sais pas comment dire, un peu plus casual quoi, comme talon. Magnifique. Là, je trouve ça sympa. Les bijoux, on peut limite garder les mêmes, peut-être à la limite changer la couleur. Ou carrément changer le tout. Hein. Ouais, des petits bijoux un peu moins accessoires, colliers. Ça, c'est mignon.
Après, je vais pas mettre touffu dans rouge, donc peut-être mettre en noir. Ouais, non, ça le fait pas trop. C'est joli, mais peut-être pas pour cette tenue, hein. C'est moi, là, les seins qui tombent. Non, en fait, c'est la robe qui fait un énorme décolleté. Tu lui mets juste lui mets pas les croix. Hey, Teka, coucou Nina. Je sais pas écrire. Sa tenue me donne froid. Ah bah ouais, c'est sûr qu'il faut pas sortir comme ça en hiver. En plus, c'est vrai que là, on est en hiver et moi, je suis en train de lui faire une tenue d'été limite. Ça aussi, c'est sympa. Bah ça, c'est cool aussi. Ouais, je pense que je vais mettre un collier un peu plus simple, comme ça. Et je vais lui enlever... Je vais lui enlever son bracelet, tiens. Ah, juste avec un petit collier noir, comme ça, pour pas mettre tout fil rouge. Eh ben écoutez, moi je pense qu'on est pas mal comme ça. On lui laisse la fameuse coupe. Au niveau du visage, je pense qu'on reste sur le même maquillage. Voilà, ça fait une nouvelle petite tenue. C'est beau, vous aimez bien? Merci Lalo. Coucou Nora, bah t'as raté tout le live parce que t'arrives à la fin du live. Yes. Yes, je pense qu'on peut valider. On va voir comment que ça rend dans le jeu. Avec un collant, bah c'est vrai qu'on aurait pu mettre un collant. Est-ce qu'on lui rajoute un collant ou pas? On va tester avec un collant. On va tester avec un collant, vous allez me dire. Alors, on revient. C'était sa tenue. Hop. Numéro 2. Accessoires, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que peut-être des collants, ça le ferait bien. Voilà, des collants comme ça. Est-ce qu'on lui laisse les collants ou pas? Retigresse! Parce qu'après, il y a les collants comme ça, mais je pense que ça irait pas. Non, je trouve pas que ça lui va pas. Je trouve comme ça que c'est mieux. Ah, pareil, ça va pas. Non, franchement. Je pense que ceux-là, ils sont bien. Après, il y a ceux-là, mais ceux-là... Ouais, non, là, c'est abusé. Je pensais qu'ils allaient remonter un petit peu plus et que peut-être qu'on verrait pas. Ou ceux-là. Et ceux-là, ça le fait pas non plus. Non, franchement... Après, il y a ceux de l'hiver, mais avec une robe d'été, mettre des collants d'hiver, ça le fait pas. Ouais, 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 non, oui, waouh, Rési, oui, ou oui, un collant, j'aime bien sa robe. Ok, bah, on go sur ces collants-là, on valide. On dirait, rien a fait un enfant avec moi. Je dois aller les bisous, ça marche, Phoebe, bonne soirée à toi. Elle est belle, t'inquiète, bon, bah, ça va. On va rester là-dessus. Coucou, Ajaya, oui, ceux-là. Des jartels, ouais, des portes jartels, t'imagines. Bon. Ok, nouvelle tenue, c'est ok. Relooking de la baraque, c'est ok. Franchement, ça rend déjà beaucoup mieux avec une cuisine faite. Hein. Parce qu'en gros, la salle de bain, elle fait pas trop cliché. Ça va, elle passe bien encore. Le salon, bon... Ça fait un peu vide, mais ça fait pas dégueu non plus. Hein, mais ça sera beaucoup mieux la prochaine fois. On fera un bon salon cocooning. Hein. Et ben écoutez, on va s'arrêter là pour le live. J'espère quand même qu'il vous aura plu. On aura quand même bien avancé avec Ariana. Niveau carrière, niveau argent, niveau popularité, niveau... relationnel avec Nicki Minaj. Donc on va pouvoir s'arrêter là. Et puis bah du coup moi je vais vous laisser. Je vais aller manger tout ça. Je pense que ce soir on va se retrouver pour un live Pokémon. On va avancer, on va essayer de finir Pokémon ce soir. Peut-être pas le Pokédex, mais au moins Pokémon tout court, les badges, la ligue Pokémon, tout ça tout ça. Donc moi je vous dis à ce soir pour les gens qui reviennent ce soir pour le live Pokémon. Pour les autres je vous souhaite bah, une bonne soirée et certainement du coup à demain. Et pour les autres à ce soir et bah, pour la rediff, pour la team rediff, hein, merci d'avoir regardé. Et sur ce je vous laisse, à plus tard, gros bisous à vous, ciao ciao.